comme elle était jolie. Du haut de sa fenêtre, en arrosant ses fleurs et chantant des chansons, j'aurais donné ma vie, j'aurais donné peut-être mon âme pour une boucle de ses cheveux blonds. Comme elle avait 20 ans et moi le cœur en fête, et que seul je passais auprès de sa maison, je lui dis allons voir aux Suzettes les oiseaux faire leur nid dans le creux des buissons. Je voudrais bien, m'a répondu Suzon, mais j'ai les peintres, mais j'ai les peintres. Je voudrais bien, m'a répondu Suzon, mais j'ai les peintres à la maison. Pendant plus de 10 ans, ce fut le même manège, elle n'en finissait plus de peindre sa maison. Elle hésitait toujours entre un jaune un peu beige, un jaune canari et un jaune citron. Alors dites non plus, et tentant l'aventure, j'ai enfoncé sa porte et saisi son jupon. Hélas, je me suis cassé la gueule dans la peinture qui traînait dans des pots de la cuisine au salon. Je voudrais bien, me répétait Suzon, mais j'ai les peintres, mais j'ai les peintres. Je voudrais bien, me répétait Suzon, mais j'ai les peintres. Où ça? À la maison. J'ai pu enfin gagner le cœur de la cruelle. Et un jour que les peintres fêtaient leur saint patron, elle consentit enfin à n'être plus demoiselle, et monsieur le curé consacra notre union. Enfin le soir venu, je m'installais chez elle, mais ça collait partout, ça sentait le bas Dijon. Alors pour en finir, c'est en haut d'une échelle que cette jeune enfant garda ses illusions. Je voudrais bien, me répétait Suzon, mais j'ai les peintres, mais j'ai les peintres. Je voudrais bien, répétait Suzon, mais j'ai les peintres. Où ça? À la maison. Si jamais vous retrouvez Suzon avec ses peintres, avec ses peintres, dites-lui merci pour la chanson et que j'ai repris ma vie de garçon.